Les Diola nous seraient venus de l'Égypte. En vérité, les Diola étaient dans la cour du Pharaon avec leurs frères, les Sérères. C'est ce qui fait qu'ils sont tous originaires de l'Égypte. Après la chute du pharaon Ramsès II, ils sont descendus sur les rives du fleuve Nil pour se retrouver en Éthiopie. De l'Éthiopie, ils sont allés à la Kaaba pour protéger les 60 sanctuaires de la Kaaba. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que le prophète, paix et salut sur lui, ait dit à ses disciples qu'il y avait un peuple qui vivait ici. Mais ce n'est pas la peine de les forcer à rentrer dans l'islam, car ils connaissaient déjà le Créateur, le Maître de l'univers, le Tout-Puissant. En effet, seuls les Diola et les Sérères ont donné un nom au Créateur. Le Diola l'appelle Atijamit, tandis que les Sérères l'appellent Rog. Atijamit veut dire littéralement « maître du ciel et de la terre », donc maître de l'univers. Le peuple Diola, tout comme le peuple Sérère, a toujours conservé par devers, eux, cette croyance au fétiche, qui n'est pas pour eux Dieu, mais un intermédiaire pour pouvoir s'adresser à Dieu. Pour le Diola, Dieu n'est représenté ni par un objet, ni par un animal. Ainsi, ce sont ces populations, ces protecteurs des 60 sanctuaires de la Kaaba qui ont révélé la venue imminente du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Après la destruction des différents sanctuaires, les Diola quittèrent la Kaaba pour venir s'installer au Darfour. Du Darfour, ils séjournèrent en Afrique centrale, plus précisément dans la zone du Congo. Ainsi, de l'Afrique centrale, ils s'installèrent en Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, ils se sont installés vers l'Est, près du Mali, plus exactement à Tambacounda. Il faut dire qu'à l'époque, Tambacounda faisait partie de l'empire du Mandingue de Sundiata Keïta, car cet empire s'étendait jusqu'au Cabo, dans l'actuel pays de la Guinée-Bissau. Cependant, comme c'est un peuple qui a toujours refusé la soumission, ils furent obligés de quitter la Haute Casamance pour venir s'installer en Basse Casamance. Ce qui les a obligés à quitter, c'est à cause de la conquête d'un des lieutenants de Sundiata Keïta, Tiramahan Traoré. Ainsi, il serait loisible de faire la présentation de la Basse Casamance. Bien avant la pénétration coloniale, la Basse Casamance s'étendait de l'ouest de Adéyane en passant par le fleuve et de la Guinée-Bissau à la Gambie. En fait, la Basse Casamance est un vaste territoire peuplé par des groupes autochtones appelés les Adjamats. Il est, pour ainsi dire, séparé par une rive, ce qui délimite le territoire par une rive nord et une rive sud. Cependant, avec l'arrivée de la colonisation, l'Afrique va connaître le plus grand morcellement de ses territoires. Ainsi, l'on assistera à l'apparition de micro-États qui dépendent et qui sont sous administration coloniale. Cet état de fait est favorisé par le partage du continent qui s'est opéré à l'insu des peuples africains, d'une part, mais aussi par le tracé des frontières. Ainsi, la Casamance ne pouvait pas échapper à cette règle. À cet effet, elle se trouve tenaillée entre quatre États indépendants. Il s'agit de la Gambie au nord, de la Guinée-Bissau au sud, de la Guinée-Conakry au nord-est et à l'est par le sud du Mali. Ainsi, les peuples qui étaient frères avant la colonisation allaient devenir des voisins tout en gardant les mêmes valeurs et les mêmes coutumes. En vérité, pour connaître les Diola, il faut essayer de comprendre sa société et ses caractéristiques. En effet, si la société Wolof est fortement hiérarchisée, la société Diola, par contre, est une société acéphale, égalitaire, où l'on note l'inexistence de caste. C'est d'ailleurs pourquoi on remarque
que dans cette société, personne n'est plus important que l'autre. En fait, ce n'est qu'à partir de cette compréhension de cette société que l'on pourrait être en mesure de comprendre les agissements et les comportements de nature belliqueuse du Diola. En outre, le nom originel du Diola est Adjamal, appartenant à un grand espace du Kadjamoutai. En fait, le terme Diola viendrait du Mandingue qui signifie vengeur. En effet, la cause de la nature égalitaire de sa société, le Diola n'a jamais aimé et n'aimera jamais porter le fardeau d'une quelconque forme de domination. C'est pourquoi il faut toujours réinterroger l'histoire et de tenter de mieux cerner la culture de ce peuple qui demeure jusque-là mal connu. La société Diola, comme elle appartient à la Basse-Casamance, elle est subdivisée en sous-territoires, voire en sous-groupes. Nous avions le Kassa. Dans le Kassa, nous avions les Ayoun qui habitent la zone abritant les villages de Nyambalan, Karounat, Siganar, Edjungu et Oukout. Les Alouk que l'on retrouve à Oussouy, Kalobon, Sengalen, Kahinda et Diwan. Les Selek qui eux habitent à Emaï, Bukittinggo, Diakène, Essaouout et Dianten. Les Batogat sont ceux qui occupent surtout les îles ou presqu'îles comme Ouron, Karabad, Diogé, Wendai, Sifoka, Hitou et Nyomoul. Ce sous-groupe associe généralement deux traditions, telles que celle du Kassa d'une part et celle du Fonyi Blouf d'autre part. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de l'île. Les Assoudadou sont également un peuple que l'on retrouve autour des villages suivants: Hayer, Kadifolon, Djikomol, Kafon, Kanyao, Hasuka, Kanjankai, Djuromait, Ponta, Kanyut, Samatit, Elouja, Santiaba et Elenkin. Les Adjamat constituent un groupe très vaste car on les retrouve jusqu'en Guinée-Bissau. C'est pourquoi on essaiera de montrer l'étendue de leur territoire autant au Sénégal qu'en Guinée-Bissau. Ainsi, pour ce qui est du sol sénégalais, les Adjamat occupent les villages suivants: Efok, Youtou, Santiaba Manjak, Kaen, Girak, Essoukoudiak et Kabrou. Cependant, quant au sol bissau-guinéen, ils se retrouvent dans les villages comme Karouaï, Passeor, Tenyat, Kassolol, Yal, Djihung, Katong, Suzana, Boudjing, Ediaten et Lalab. Après le Kassa, nous avons Touar Bayot. Nous avions les Bandial. Les Bandial, il y a maintenant le Fonyi dans le nord. Ainsi, nous avons le Fonyi Siyot qui part de Tobor à Baila en passant par Bignona. Le Fonyi Kombo, il commence à partir du village de Belay en passant par Djouloulou, Brikamanding, Koubanat, etc. Le Fonyi Diaban, quant à lui, part de Kafountine aux îles Caron en touchant des villages comme Kabadjo, Albadar, Abenné, etc. Le Fonyi Boulouk s'étale de Tionkessine, Tandouk, Karchak, Djegoul, Kanyobok, Bagaya, Moulom, Tchobong, etc. Le Fonyi Diragone commence à partir de Badjouré, Mampalago, Faoul, Silenkine, Diragone, etc. Cependant, le Kalonaï, qui était une partie intégrante du Fonyi, veut aujourd'hui se constituer en une entité à part. Mais historiquement parlant, le Kalonaï appartient au Fonyi Sir. Ainsi, les villages qui composent le Kalonaï sont Tobor, Kamosor, Sandouk, Boulandor et les autres villages qui sont à l'intérieur pour ne se terminer qu'à Badjouré. Cependant, il faut noter que les Diola, en quittant l'Est pour venir s'installer en Basse-Casamance, avaient déjà trouvé le peuple Baynoung avec qui ils ont donc cohabité. Il y a également d'autres peuples autochtones que sont les Mandingues, les Manjades, les Balantes, les Mankagnes, etc.